Un mâle et une femelle baptisés respectivement Hitler et Iva. Les deux noms commencent par un I, comme pour tous les chiens nés en 2013. C'est l'année du I, ça aurait été un M, j'aurais peut-être appelé Médor. Pourquoi pas ? J'ai pas de raison particulière. Hitler, Iva, même si l'orthographe est différente, il est facile de faire le rapprochement avec Adolf Hitler et Eva Braun, la maîtresse de ce dernier. Il y a cette compétition de portée de pinte. Ça se passe bien sûr en Allemagne. Le principe est simple, transporter le plus de verres sans renverser la bière. Oula. Le vainqueur a réussi l'exploit, regardez, de servir 27 pintes sans rien renverser. De dos, vous l'avez reconnu, Barack Obama, le président américain, dit au revoir à l'un des agents chargés de sa protection ainsi qu'à sa femme. Et au premier plan, le fils un peu turbulent du couple qui fait le pitre sur le présidentiel sofa, sans aucun égard apparemment pour le protocole. Un député UMP a voulu faire une blague de mauvais goût à la ministre de l'écologie. Le président de la commission s'en est mêlé et gentiment rabroué les yeux sexistes et toc. Jacques-Alain Benisti. Merci Monsieur le Président. Vous me permettrez, Madame la Ministre, de vous féliciter pour le choix de la couleur de votre tailleur. Le vert vous va effectivement à merveille. Je ne suis pas sûr, chers collègues, qu'il soit pertinent que nous fassions des remarques sur la densité de vos moustaches. Si vous divorcez ou si vous vous séparez de votre mec, ne faites pas un roman de ça. Je bénis aussi les sans dents. J'en fais partie, moi. Monsieur Le Pen, qu'est-ce que vous pensez de l'ouvrage de Valérie Trierweiler ? Qu'est-ce que je pense ? De l'ouvrage de Valérie Trierweiler. Je ne l'ai pas lu. J'en ai lu quelques extraits, dont certains extraits pornographiques, d'ailleurs. C'est une face de notre président dont je me doutais, mais que je ne connaissais pas bien. Vous doutiez, vous, de cette face de François Hollande ? On savait que c'était le baiser casqué, oui. Il n'y a que Nadine Morano qui est à fond et il y a des regards qui ne trompent pas.